La FNAEJ travaille depuis une décennie sur l'impact des business schools, l'impact des écoles d'ingénieurs, l'impact des universités. Et aujourd'hui, la FNAEJ vient de mettre au point, avec des spécialistes du management de la santé, HSIS, Health Sector Impact Study. Julien Husson, vous êtes professeur à l'IAE de Metz, titulaire de la chaire Santé-Management de l'Université Lorraine. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à l'impact du secteur de la santé? La crise sanitaire, la crise Covid, a mis la santé au cœur du débat sociétal et elle a révélé également une crise plus latente, une crise organisationnelle globale de tout le système de santé. L'actualité crée donc l'opportunité d'ouvrir la boîte noire de l'hôpital et de l'ensemble du système de santé pour essayer de le comprendre. La crise sanitaire a fait émerger un certain nombre de parties prenantes dont on parlait moins. On voit le rôle des territoires, le rôle des régions, le rôle des métropoles, le rôle des départements, le rôle des villes dans la gestion de la crise Covid. Les acteurs du système de santé sont également des acteurs économiques majeurs. La prise en charge des 13 millions de patients par an par le système de santé se fait avec 1,5 million d'emplois. Le secteur médico-social, c'est 750 000 emplois pour prendre en charge plus d'un million de personnes âgées par an. L'hôpital est généralement ou souvent le premier employeur d'une ville. Toutes ces raisons font que ces acteurs économiques ont un rôle également d'aménagement du territoire et ont un impact fort sur le territoire, ce qui leur permet de mieux négocier avec les parties prenantes quand elles connaissent leur impact. Très bien. Jean-Baptiste Capgras, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion, spécialisé en management des organisations de santé au sein de l'IFROS, un centre de recherche interne à l'Université Jean Moulin, Lyon 3. Quelles sont les spécificités des établissements hospitaliers et médico-sociaux en termes d'impact? On peut en retenir trois principales. La première, c'est la superposition au sein d'une même organisation de territoires d'impact d'échelle très variable, de l'hyper-proximité sur les centres de soins non programmés de soirée de week-end par exemple, à l'hyper-spécialité de rang national ou international comme la greffe du visage, la greffe des mains, thérapie génique. Deuxième type de spécificité, la coexistence autour des missions premières de soins et d'accompagnement, de missions de recherche, d'innovation, de formation des professionnels et des nombreux professionnels du secteur. Enfin, une troisième, c'est lié à cette hyperspécialisation de la prise en charge de l'accompagnement, un fonctionnement réticulaire qui engage de nombreux acteurs du territoire autour de l'accompagnement. Mais alors, Julien Husson, quels sont les établissements, quelles sont les organisations qui sont concernés par ces études d'impact? On peut penser à tous les acteurs du système de santé, mais plus particulièrement aux hôpitaux, plus particulièrement aux EHPAD, pour la prise en charge des personnes âgées, également les établissements de prise en charge du handicap, sur différents types de territoires, le milieu urbain, le milieu périurbain, le milieu rural. Mais on peut aussi penser à des filières, une filière de prise en charge particulière, un groupe hospitalier qui voudrait mesurer un impact global pour l'ensemble de ses établissements, à l'échelle nationale par exemple. C'est-à-dire que la méthode HSIS s'adapte à différents types d'organisations. Exactement, et elle permet aussi de sortir de la logique institutionnelle traditionnelle de mesure d'une activité avec des indicateurs très standardisés qui parlent aux tutelles mais qui ne vont pas parler à l'ensemble des parties prenantes des établissements concernés. Merci. Merci.